J'ai bien compris. Voilà, on est ensemble. Merci beaucoup. Bon courage. Ça va, au premier tour, dans cette commune-là, on a eu vraiment des petits pépins en ce qui concerne la sécurisation des agents électoraux. Tirant les leçons vraiment du premier tour, nous avons tiré tous les enseignements nécessaires. C'est pourquoi vous voyez le dispositif impressionnant de sécurité constitué des éléments des FAMA, des groupes armés et l'ensemble des conseillers des élus qui sont à leur côté pour les apporter vraiment ce qu'ils peuvent apporter en termes de sécurité de proximité. Et moi, je suis très heureux de constater que partout au niveau du secteur de Gundam, le gouverneur nous a beaucoup appuyé, l'État nous a beaucoup appuyé pour que vraiment les mesures sécuritaires puissent être une réalité au niveau du secteur de Gundam. Aujourd'hui, Dieu merci, partout, on n'a pas été saisi d'un cas d'insécurité quelconque. Je pense moi-même, donc j'ai déjà fait le tour de tous les bureaux de vote. Et vraiment, le constat qui est là, là, tout va bien. Et que la preuve en est que vous-même, la délégation qui vient d'arriver a fait le constat également. Donc je crois que tout va bien, tout va bien. C'est une pandémie qui est en train de semer la désolation dans tout le monde, c'est pas propre seulement au Mali. Et je pense qu'à ce niveau, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation nous a beaucoup épaulé par rapport à la mise à disposition des fonds spéciaux pour l'achat des kits d'hygiène et les produits désinfectants. Et je pense à ce nouveau, comme vous avez pu constater de vous-même, vous avez pu apercevoir des kits devant tous les bureaux de vote. Nous sommes rendus compte qu'au niveau de certains bureaux, les agents électoraux n'utilisent pas ces kits-là, les électeurs non plus. C'est la raison pour laquelle on est passé dans tous les bureaux de vote. Présentement, on est à Tonga, on est passé dans tous les bureaux de vote pour donner des consignes, pour donner des conseils à l'ensemble des présents. Et les assureurs et les électeurs par rapport à l'utilisation de ces kits-là, comme que vous avez vu au niveau de l'ensemble des bureaux de vote. C'est bon, on va